What the Chuck YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour déterminer où se trouvent les boîtes mortes sur la map Vandel de la saison 4, donc de Modern Warfare 2. Si tu aimes ce genre de vidéos, plus particulièrement donc des vidéos sur DMZ, alors abonne-toi tout de suite, tu es au meilleur endroit possible. Et si tu cherches des gens sympas pour t'amuser, pour faire des groupes, pour discuter ou simplement pour échanger, le lien du Discord est en description. Bien joué Chuck, bien joué. Tu sais à quel point j'adore les boîtes mortes. D'ailleurs, tu retrouveras la vidéo des boîtes mortes de Ashika et d'Almazra dans cette vidéo. La première des boîtes mortes, on entre tout de suite dans le sujet et dans entrée maison de ville, c'est le nom de du quartier, c'est pas moi qui l'invente. Voilà, elle se trouve donc assez facilement dans l'angle du dit quartier, mais tu verras que pour te déposer quelque chose dedans, il va falloir te battre contre une horde de bots affamés et assoiffés de sang. Voilà, donc si tu veux déposer quelque chose là-dessus, il va falloir en quelque sorte te lever tôt. Elle se trouve donc sur la map à ce niveau-là, je te laisse prendre le screen et peut-être mettre stop sur la vidéo. La boîte numéro 2 se trouve à université, alors elle est à quelques pas de la précédente et elle est systématiquement donc derrière cette station essence dans une zone irradiée. Je n'ai jamais vu la zone autrement qu'irradiée. La boîte numéro 3 se trouve à musée, première boîte morte qui se trouve donc dans un bâtiment. Elle est dans le parking, pour y trouver facilement donc ta petite boîte morte, et je peux t'assurer que celle-ci est d'une tranquillité sans borne. Voilà, je te montrerai également la situation sur la map pour que tu puisses te localiser avec la petite photo pour que tu puisses prendre ton impression écran. La numéro 4 se trouve dans le zoo, alors là tu l'as obligatoirement croisé celle-ci si tu joues sur Vandel. Elle est dès les premières missions et elle est assez visible puisque tu dois y passer très régulièrement sur zoo. Là encore, donc tu vas devoir en découdre avec pas mal de bots. C'est l'un des endroits aussi où il y a le plus de passages et où tu as le plus de mal à te défaire des vagues de mobs. La dernière boîte, la boîte numéro 5, n'a pas de nom. Et comme tu le vois, quand tu te balades dans le quartier, tu n'as absolument aucun nom, aucune référence. Je vais pas regarder sur la map s'il y avait un intitulé. Mais se trouve en B5, ça tombe bien, c'est la boîte numéro 5. On va l'appeler la boîte B5. Voilà, la vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton petit like, à t'abonner. Et puis... What the check, bro?